c'est Marette. On se retrouve ici pour parler de couture et de tricot. Je voulais commencer par vous remercier pour tous les gentils petits mots et tous les pouces en l'air que j'ai vus sur mon podcast que j'ai fait il y a 2 semaines déjà. Merci, merci, ça fait chaud au cœur et en tout cas ça donne envie de, voilà, de continuer à revenir dans la sphère des podcasts créatifs. Voilà, je pensais tourner la semaine dernière mais alors je sais pas si ça s'entend beaucoup là mais j'ai eu un énorme rhume, enfin une rhinopharyngite, sinusite, tout ça, enfin voilà. Donc voilà, la semaine dernière j'ai juste pas bougé de mon canapé le week-end dernier et j'ai tricoté pas mal du coup, mais je me sentais pas trop de le faire. Donc là j'espère que je vais avoir ni envie de me moucher, ni de quinte de toux, que je vais pas avoir la voix qui va trop dérailler, et je pense que je parle vachement du nez et ça s'entend, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est comme ça, c'est la vie. Je vais commencer par ce que je porte. Alors je porte un pull, c'est Morning in... je sais jamais, Heidelberg, Heidel quelque chose, je vous mettrai le nom en dessous, qui est en double alpaca gris clair de chez Drops et que je n'ai pas tricoté. Voilà, c'est une de mes bénévoles de la médiathèque, Anne-Marie, qui me l'a tricoté juste avant que je commence le tricot. Voilà, donc je lui avais acheté de la laine et puis elle m'avait très 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 gentiment tricoté ce pull que je mets très souvent, vraiment je l'adore, il est hyper douillé, alors c'est le point mousse avec une grosse torsade comme ça et vraiment la qualité de en double alpaca, moi je me répète hein, mais vraiment j'adore cette qualité, je trouve ça très chaud, très, très moelleux et ça a aussi un très très beau tombé. Voilà, en dessous je porte une marinière, faudra me croire, voilà, une marinière coco de Tilly and the Bottom en jersey marinière de chez Tissu Ferrari. Alors je sais pas si vous allez voir mais en fait il est, non vous allez pas voir. Bah, faudra me croire. Voilà, il est noir avec des rayures lurex. Je le mets très souvent, j'aime beaucoup. Et j'adore ce patron, en fait. C'est vraiment... Je vous mettrai une petite photo pour que vous voyez de quoi je parle. Mais c'est vraiment mon patron basique de t-shirt à manches courtes, à manches longues. Voilà. Juste la seule modification que je lui fais, c'est qu'il a la taille vraiment très marquée. Ce qui me convient parce que moi j'ai la taille très marquée aussi, mais c'est vrai que depuis la naissance de Rosalie j'ai un petit ventre qui peine à partir, donc en fait je marque pas la taille et je fais une coupe droite en fait du dessous des épaules au bas, voilà, mais je garde l'encolure bateau, les emmanchures, enfin vraiment j'adore ce patron. Et puis en dessous je porte une jupe, non, je viens de publier une photo sur Instagram, je sais pas si vous allez la voir là, hop voilà, mais dont je vous parlerai un petit peu plus en détail tout à l'heure dans la partie couture. Bon, on va attaquer avec la partie tricot, je vous mettrai le temps où commence la partie couture pour celles que le tricot n'intéresse pas. Alors en tricot j'ai un projet fini, mais bon, qui est pas vraiment d'actualité, puisque je vous en ai déjà parlé dans mon ancien podcast, dans mon dernier podcast. Mais j'avais promis que je vous le présenterais, donc cette fois je l'ai avec moi. Il n'est pas resté sur la tête de Rosalie. Donc c'est un petit bonnet en jacquard. C'est un patron de ma copine Marie du Nid de la Linotte, qui a été publié donc dans le magazine Idée à faire. Voilà, j'en avais pas mal parlé déjà dans mon dernier podcast en fait, et donc c'est mon premier jacquard, voilà, et franchement je suis assez contente quoi, l'élasticité vous voyez est bonne, enfin je pense que du coup ma tension quand même est pas mal. C'est un patron qui normalement est en DK et qui je crois s'arrête aux 12 mois il me semble, je mettrai un petit
un petit rectificatif en dessous si je me suis trompée. Et moi, du coup, je voulais faire pour Rosalie, et Marie m'a conseillé juste d'augmenter la grosseur de la laine pour aller sur la taille au-dessus. Donc, au lieu de le faire en décart, moi, je l'ai fait en double alpaca. Vous voyez, c'est le même, en fait, voilà, c'est les restes de mon pull. En double alpaca de chez Drops, et donc j'ai juste doublé mon fil pour avoir une épaisseur de worsted. Et le jacquard, lui, il est pareil, en double alpaca, et c'est le coloris pétrole mix, voilà, que j'adore. J'adore cette couleur, j'ai trouvé une profondeur, je sais pas si vous allez voir, mais il y a vraiment plein de nuances dedans. Il y a du bleu marine, du turquoise, du violet, un peu de vert. J'adore cette couleur. Je vais prendre mon petit carnet, mais je pense pas... Pas grand chose de plus à vous dire. J'ai vraiment beaucoup aimé le tricoter. J'ai trouvé ça assez merveilleux hein, de voir le jacquard monter comme ça. Vu que je n'avais jamais fait, je savais pas trop à quoi m'attendre. Et voilà, je l'ai fait en une soirée, je crois. Une soirée et une sieste à peine. Voilà. Et je vous montre l'envers parce que franchement, je suis assez contente de moi. Voilà. Et donc ça m'a donné très envie de continuer sur la voie du jacquard. Donc je suis en train un petit peu de regarder là des patrons. Ça je vous en parlerai un tout petit peu plus tard dans ma vidéo. Parce que j'ai envie de vous faire un petit point sur mes envies de tricot 2021. Mais il faut pas que je sois trop bavarde parce que sinon ça va prendre beaucoup de temps. Voilà. Donc voilà pour le bonnet de Marie, donc à retrouver dans le magazine Idée à faire. Et alors je crois, elle m'a dit qu'elle allait essayer de voir pour le décliner en modèle adulte, donc avec cette fois des diminutions et tout ça. Ah oui, et ce que je voulais vous dire aussi, c'est donc en fait c'est une forme hyper simple, hein, enfin voilà, il n'y a pas de diminution, rien du tout, juste un rabattage à 3 aiguilles en haut. Et en fait quand Rosalie elle le met, du coup bah ça fait deux petites, je sais pas si je vais arriver à vous faire, deux petites oreilles comme ça. Voilà, ça fait cette forme là et je trouve ça super mignon. Voilà, et par rapport à la laine, il y a aucun souci. Rosalie, ça a pas l'air de la gratter, elle essaye pas de l'enlever ni rien, et il est super chaud. Et moi je trouve ça tellement doux. Voilà, donc je suis très très contente de ce petit bonnet. Ensuite, je n'ai pas d'autres projets finis, mais j'ai des projets en cours qui ont bien avancé. Alors, la dernière fois, je vous ai présenté le yoke de mon Anker Sweater de Petite Knit. Et donc, voilà, donc j'ai fini le corps. Alors, il roulette un peu là, parce qu'il faut que je le bloque. Voilà, j'ai fini le corps, j'ai fini, hop, une manche. Et donc là je suis sur la deuxième manche et j'aimerais bien l'avoir fini là ce week-end, d'ici lundi. Moi le lundi il est dans mon week-end, je travaille pas le lundi, donc ça rallonge un petit peu, ça donne un petit peu plus de temps. Donc ouais, j'espère bien que d'ici lundi je vais réussir à l'avoir terminé. J'ai vraiment hâte de le bloquer et que ça s'assouplisse un petit peu parce que moi qui d'habitude tricote assez lâche, là avec la laine je suis quand même sur un tricot hyper dense, hein, on voit presque pas le jour à travers, hein, c'est voilà. Donc je pense qu'il va être très 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 chaud et ouais voilà, là il mériterait quand même de s'assouplir un petit peu, hein, il est un peu carton quoi. Donc voilà, hop, ça va donner ça. Je l'ai passé hier là vite fait pour voir, hop, je vous montre par rapport à la longueur. Voilà, donc je vous ferai plus peut-être une revue de détails plus quand je l'aurai terminé pour vous montrer bien, mais enfin voilà, c'est vraiment un patron tout simple, zéro cerveau, et que je prends le soir quand on regarde des séries, parce qu'on regarde beaucoup beaucoup de séries avec mon chéri. Mais finalement je le prends que le soir et c'est bien parce que la laine étant très très sèche, elle glisse mal sur mes aiguilles et j'ai mal à mon doigt. Voilà, quand je pousse mon aiguille pour faire courir la laine, c'est vrai que
Je finis la soirée quand même avec le doigt un petit peu abîmé. Donc je le laisse se reposer dans la journée et je le reprends le soir. Voilà. Donc je vous rappelle, la laine, c'est de la Tresco de chez Sendness Yarn que ma copine Lina m'a trouvé chez Nose. Voilà, c'est super. Hop, voilà, donc il me tarde de l'avoir fini. Bah déjà pour mettre autre chose sur mes aiguilles. Et puis parce que c'est vrai que là, nous, il fait un temps un peu bof. Il pleut. Enfin, je sais pas, c'est un peu bizarre ce temps. Soit il fait moins 4 et il neige. Soit il fait 12 et il pleut. Voilà. Bon. Et là, il y a plein de variations de luminosité parce que d'un coup, hop, il y a un rayon de soleil. Et puis hop, après, il pleut. Voilà. Bon, c'est les aléas de la météo, je pense qu'on a un peu l'habitude. Donc voilà, moi, un cœur que j'ai hâte de terminer. Et je pense que, comme il est quand même très très basique hein, en gris, je viendrai mettre par là des petits... je vais me faire, je pense, des petits badges avec des restes de Liberty, mon Liberty Capel Moutarde là je pense, et je viendrai les mettre par ici pour faire un petit truc un petit peu sympa dessus. Voilà, alors j'ai un autre projet en cours mais je peux pas trop vous montrer grand chose parce que c'est pour une copine et je sais pas si elle regarde ou pas. Voilà, hop là je montre juste comme ça, hop, c'est des petites chaussettes. Voilà, j'ai décidé que cette année j'allais aussi bien me remettre aux chaussettes. Voilà, et donc là c'est dans une jolie laine qui a été teinte par une de mes amies. Et donc voilà, bah j'en dis pas plus parce que sinon je me spoil. Voilà. Donc ça j'espère les finir assez rapidement. Je suis presque à la fin de la première. Là j'ai monté ça il y a 4 jours, ce week-end. Voilà. Sachant que c'est un projet que j'emmène au boulot et là j'ai pas pu tricoter le midi au boulot parce que j'avais soit des bénévoles qu'on mangeait avec moi, soit autre chose, enfin voilà, des courses à faire, tout ça. Donc elles ont pas beaucoup avancé cette semaine mais je suis très contente parce que j'apprends des techniques et ça se passe bien et ça c'est chouette. Voilà, donc je vous mettrai quand même le patron que j'utilise, c'est le patron des bas Louisette de je ne sais plus qui. De toute façon je vous mettrai la petite image ici avec le nom du designer et puis dans mes liens, dans les liens dans la barre d'infos vous retrouverez tout ça. Donc voilà pour mes encours. Donc j'ai un pull en voie déterminée et des chaussettes pour le midi, mais enfin voilà, qui vont aller assez vite. Du coup je réfléchis fortement à ce que je mets sur mes aiguilles après. Ah oui, alors du coup, je vous ai présenté la semaine dernière aussi le pull Eula, je sais toujours pas comment on dit, d'Isabelle Kramer. Il est là. Voilà. Il attend. Il attend que mon cerveau soit un petit peu plus disponible pour finir cette fichue dentelle. J'ai dû en faire 3 rangs hein, depuis le dernier podcast. Mais vraiment, elle m'épuise, quoi. Enfin, j'ai pas la disponibilité de cerveau pour ça en ce moment. Donc je me dis, j'attends d'avoir quelques jours de vacances, peut-être sur plusieurs siestes suivies de Rosalie, là, sur plusieurs jours, ça pourra le faire et je pourrais être vraiment que là-dessus. Et puis voilà, la bonne excuse c'est aussi que c'est un pull en fingering et que quand même il fait un petit peu froid pour mettre un pull en fingering. Voilà, donc pour l'instant je me dis qu'il attend le printemps. Voilà, mais sans complexe. Donc, sur mes aiguilles, une fois que mon pull anchor va être fini, qu'est-ce que je vais mettre? Alors déjà, je vais remettre sur mes aiguilles un projet que j'ai terminé il y a un an et demi, c'était au moment de la naissance de Rosalie. Je m'étais tricoté un petit gilet rosa de A Long avec Anna, voilà, en Dererum Natura Ulysse coloris Genet. Donc c'est un très beau vert jaune comme ça, voilà. Voilà, que j'adore, mais que je ne mets pas du tout parce que il est beaucoup trop court.
Il est trop court et en fait, même avec des choses taille haute et tout ça, moi sur moi j'aime pas trop et voilà. Donc c'est bête hein, parce que du coup je le mets pas du tout. Donc je vais défaire les bandes de boutonnage. En plus mes boutons étaient vraiment mal posés. Je sais pas si vous voyez. Oh, le truc est complètement, c'est l'anarchie quoi. Voilà. Je vais défaire les bandes de boutonnage, les côtes et puis comme il me reste pas mal de laine, je vais le rallonger et refaire les bandes de boutonnage. Donc ça, c'est dès que j'ai fini mon hanker, je me mets à ça parce que vraiment c'est trop trop bête d'avoir ce gilet qui attend depuis 2 ans et que j'ai dû porter 3-4 fois en fait. Voilà. Donc ça, c'est ma petite obligation avant de vraiment me relancer dans un gros projet. Voilà. Alors j'espère que je vais pas peiner à détricoter les côtes et tout ça parce que comme c'est une laine un petit peu, elle pique pas du tout hein, mais un petit peu rustique, elle a quand même des brins qui s'accrochent bien les uns aux autres. Elle est très bien pour faire du jacquard par exemple. C'est celle qui est la qualité qui est utilisée par Anna de Longue avec Anna dans son livre Tricoter le jacquard. Et donc voilà, donc j'espère que ça va pas trop s'accrocher quand je vais défaire, mais je devrais pas avoir trop de soucis. Donc ça c'est, je pense, voilà, la semaine prochaine, dès que j'aurai fini ça, je me mets à celui-là et ça sera une très bonne chose de faite. Voilà. Ensuite, je vais vous parler des envies tricot que j'ai pour l'année 2021. Puis je bois un petit coup parce que je sens que j'ai la voix qui déraille. Voilà, je voulais vous présenter, bon, ça fait un quart d'heure que je parle, bon, ça va à peu près. Je vais essayer d'être concise. Je voulais vous présenter mes envies tricot pour l'année 2021. Alors, c'est pas du tout des résolutions, c'est encore moins des projets concrets, mais c'est des envies. Alors, il y en a pour lesquelles j'ai déjà la laine, et il y en a pour lesquelles je ne l'ai pas, mais j'ai une idée très précise de ce que je veux. Donc à chaque fois, je vous mettrai par ici le patron et une photo de la laine que je souhaite quand je l'ai pas. Alors, je prends mon petit carnet. Dans mes envies 2021, déjà il y avait le hanker, donc bon, ça il est presque terminé. Le Eula, il est en pause. Voilà. Alors, ensuite, je voulais me faire depuis très longtemps le pull Erel de Longue avec Anna, toujours, qui est un boxy. Mais j'ai longtemps été vraiment, vraiment très, très bloquée sur la laine à utiliser, puisque si on veut un beau drapé, il faut de la laine qui a un beau tombé. Et donc, Longue avec Anna préconise avec de la soie. Sauf que, en fait, trouver de la laine en déca avec de la soie et bon quand même de la quantité pour faire un boxy qui soit moi dans mes moyens, c'était un petit peu compliqué puisque de la laine avec mérino soie, on en trouve surtout chez des teinturières artisanales quoi, qui font des teintures main. Et alors enfin voilà, déjà c'est une base qui est un tout petit peu plus chère que les autres et c'est normal. Et en plus en déca, enfin voilà, moi ça m'explosait mon budget tricot pour l'année en fait, donc c'était pas possible. Donc j'ai longtemps cherché, cherché, cherché. J'étais à un moment partie sur la Puna de Drops, qui est de l'alpaga en déca, mais les couleurs vraiment me plaisaient pas. Je ne savais pas, et j'avais en tête donc cette laine, la soyeuse de chez Fonti. Donc c'est que je vois 70% laine, 30% soie. Je sais pas si vous allez voir, voilà. Que j'avais vu chez plusieurs boutiques, mais bon, j'attendais un petit peu de commander parce qu'elle était quand même, je crois, à 8 euros la pelote, 8 euros la pelote de 115 mètres. Voilà. Et puis il y a eu les soldes, et puis chez Madeleine il y avait 30% sur cette laine. Voilà, donc bah, j'ai rempli mon panier avec cette laine. Voilà, donc c'est le coloris, je crois, c'est 126. Hein. Voilà, 126. Donc on est sur un. J'aurais dit écureuil.
Et en fait, avec la soie, ça fait vraiment des jolis reflets orangés. Hein. La luminosité vient de baisser énormément, donc je sais pas trop ce que vous allez voir. Voilà, hop. Donc c'est une belle couleur qui est pleine de brillance. Voilà, le truc c'est que Madeleine n'en avait plus que 7 pelotes et il m'en aurait fallu 8. Donc je vais voir où j'en suis en le tricotant et puis je pense que quand j'aurai fait le corps, qui est déjà un gros morceau hein, vu que c'est un boxy, je verrai où j'en suis avec les manches et je verrai si je recommande de la laine sur le site de Fonti en essayant de voir s'ils ont toujours le bain, le même bain. Donc voilà. Ça, je pense qu'il va être très très bientôt sur mes aiguilles. Parce que ça fait tellement longtemps que je l'ai dans la tête que maintenant que j'ai la laine, ça va monter assez vite, je pense. Ensuite, oh, presque la même couleur. je veux me faire depuis très longtemps aussi le gilet Blossom de Along avec Anna. Et j'avais complètement craqué sur une version sur Ravelry. Je vous mettrai le nom du pseudo de la personne qui l'a fait, si vous voulez aller voir. Et elle l'a fait en Ulysse, voilà, de chez Dererum Natura, en coloris fauve. Et moi, quand j'ai voulu acheter cette laine pour la copier complètement parce que j'adorais, fauve était complètement en rupture de stock. Et j'ai compris du coup quelques semaines après que c'était parce que c'était un coloris qui était arrêté et qu'il allait être remplacé par le coloris érable. Donc comme j'ai eu un petit bon d'achat de mes parents à Noël pour m'acheter cette laine, je l'ai acheté. Et donc c'est de la Ulysse et c'est le coloris, c'est le coloris érable. Donc voilà, j'adore cette qualité de laine. C'est hyper moelleux. Elle est un peu chinée. Bon, je pense que c'est une laine très connue, hein, donc voilà. C'est une laine qui est un peu chinée. Donc voilà. Donc c'est pareil, j'ai très très envie de le faire. Après, là, je vous avoue que le panneau de dos. Ah, c'est doux. Le panneau de dos de dentelle me. Un peu d'avance. J'espère que ça va pas faire comme avec mon pullet ou là. J'ai un petit peu peur de ça. Donc je me dis que peut-être faudrait que je commence vraiment à un moment où je suis tranquille, quoi. Peut-être pendant des vacances ou un truc comme ça. Où je puisse le faire en suivi sur plusieurs jours pour vraiment avancer et pas avoir l'impression de réapprendre la dentelle à chaque fois que je le reprends. Donc voilà, pour ces deux laines-là que je pense utiliser très bientôt. Ensuite, j'ai très envie de me faire, depuis qu'il est sorti, le gilet Kudzu de Marie et Amélie Design. Je vous mettrai la petite photo là. Et je veux le faire en double alpaca de Drops. Donc mon fil chouchou, enfin surtout en double, vraiment je l'adore. Et c'est le coloris rouge-violet. Je vous mettrai une petite image, alors je crois 39-63, 63-39. Je sais pas dans quel sens, mais il y a ces numéros là dedans, dans le numéro de coloris. Donc voilà, j'ai très envie d'un gilet bordeaux en fait. Et voilà, c'est un coloris mix de chez Drops. Et j'adore les nuances de couleurs qu'il peut y avoir dedans. Donc ça me plaît bien. J'ai besoin aussi de me refaire un gilet noir. Parce que le dernier épisode, je portais mon gilet rosa. Que j'ai fait en noir et les laines que j'ai utilisées ont super mal vieilli. En fait, je pense que c'est mon fil de mohair qui a très très mal vieilli et qui s'est cassé à certains endroits. Enfin, puis il est tout bouloché, puis enfin bon. Je suis un peu déçue quoi. Mais c'est bon, c'est pas grave, je vais m'en refaire un. Et donc je suis partie sur le gilet Copenhague de Petite Knit que je vais faire dans une laine à toute épreuve, c'est-à-dire je vais le faire en lima de Drops en noir. Voilà, donc je fais pas une association fingering. Oui, enfin fingering lace ou merino mohair. Voilà, je suis partie sur laine alpaca. Voilà, moi ça sera un basique, je sais qu'il va être doux quand même, donc ça me pose pas de soucis. Ensuite, je voudrais continuer mon exploration du jacquard.
Et j'ai... Alors il est là, je vais vous le prendre tout de suite pour vous le montrer. J'ai acheté cet été le Knit It Book parce que je craquais très très fort sur ce magnifique pull qui est le pull fin. Voilà. Donc et à faire en Gilliatt de Dererum Natura, qui est bah, comme la Ulysse, hein, c'est vraiment une laine que j'aime beaucoup. Et j'ai du mal à me décider sur les coloris. Alors soit je pars chez Drops, si je lis mon carnet, sur de la Alaska, le corps en blé et les épis, enfin les petits pains en moutarde, je vous mettrai les couleurs là. Soit en Gilliatt, alors j'avais envie de partir sur une association qui n'est pas du tout dans mes couleurs, alors je ne sais pas trop, le quartz amarante, voilà. Bah, je vous mettrai les deux vignettes des associations des quatre couleurs du coup, juste à côté là. Je ne porte pas du tout de rose clair. Si je porte du rose, mais c'est du rose qui pète quoi, voilà. Je suis pas certaine que ce soit des couleurs qui m'aillent très très bien, mais voilà, toujours est-il que je sais que je vais me faire ce très très joli pull dans l'année, enfin je sais, j'ai très envie de le faire, après on verra. Ensuite j'ai des choses que je veux faire pour Rosalie, donc le gilet arc-en-ciel que je vous ai montré la dernière fois. Je veux lui faire aussi un pull RL pour rattraper celui qui est passé au sèche-linge après qu'elle l'ait mis une fois. Donc cette fois j'ai acheté de la idéale de chez Bergère de France en coloris Bordeaux. Et j'ai un gros reste de Gilliatt aussi qui est là. Je vais vous montrer. Hop. J'ai un... Pardon. C'est la pique. Donc, il me reste presque deux pelotes de Gilliatt coloris si près. Et moi, l'année dernière, je me suis fait un Lady Marple de Nadia Kretarushan. Je vous ai pris une petite image. Et donc, je veux lui faire la version Miss Marple pour elle. Ensuite, un accessoire, je vous ai montré la dernière fois mon châle de reste que je veux faire. Les moufles velvet que j'aimerais bien faire. Et j'ai envie de me faire des chaussettes, pas mal de chaussettes, voilà, c'était des très bons petits projets pour le boulot. Et j'ai un peu de laine là pour en faire, et j'en ai commandé chez Drops aussi, là, de la Fabel et de la Nord. Voilà, ah oui, je reviens juste dans les grosses pièces, j'ai craqué il n'y a pas longtemps pour un modèle de pull dont je me souviens absolument pas le nom, donc je vous mettrai une image et le truc et le nom. Donc c'est un pull raglan je crois, avec tout un empiècement en dentelle en haut qui fait un peu dentelle résille, voilà, et puis après le corps normal en jersey endroit. Et voilà, j'avais très envie de me le faire en Nord de chez Alpaca en coloris pétrole. J'adore cette couleur. Se refait pas. Donc voilà. Et ensuite, je pense pour Noël, j'ai envie de faire un pull à mon papa. Parce que là, j'ai fait un gilet à ma maman. Voilà. Donc j'ai très envie de lui faire un pull. Mon père est allé plein de fois et adore l'Irlande. Voilà. Donc j'ai envie de lui faire un pull un petit peu d'inspiration irlandaise. Alors sans tomber forcément dans le truc avec des milliards de torsades et tout ça, parce que ça va me prendre le cerveau. Mais j'ai trouvé un modèle qui me plaît bien, c'est le Axiom Sweater de je ne sais plus qui, hein. Mais bon, je vous mettrai tout ça ici même sur ma petite pente de mon petit pan de mur que je me prends dans la figure à chaque fois que j'essaie de faire des photos. Et je voulais le faire en super soft de chez Holzgarn dans le coloris Mariner. Donc voilà, donc pas mal de choses, hein. J'ai compté, ouais, on est autour de 15-16 projets. L'année dernière, j'en ai fait 14. Voilà, alors que j'ai pas tricoté régulièrement. Hein, je pense que janvier, février, j'ai pas du tout tricoté. Et voilà,
puis si dans l'été j'ai tricoté. Si on va dire qu'à partir de à partir du confinement en fait, je me suis remise à tricoter. Mais avant j'avais pas beaucoup tricoté. Voilà pour la partie tricot. Pas mal de choses hein, donc vous voyez que j'ai la tête un peu pleine d'envie et de trucs et en fait ça se bouscule un peu, j'ai du mal à hiérarchiser les choses, à hiérarchiser ce que j'ai envie de mettre sur mes aiguilles. Je voudrais tout mettre en même temps et tout faire tout le temps en même temps et que presque tout soit déjà portable, voilà, mais non c'est pas comme ça que ça marche. Voilà, mais je pense que voilà, les prochains, je pense quand même que ça va être le RN en soyeuse parce que ça fait, je pense que j'ai acheté le patron il y a genre un an et demi quoi. Voilà. Donc ça fait très longtemps que je suis vraiment en quête de cette laine pour le RL. Voilà. Et avant, je finis mon gilet en genêt là. Je refais plutôt mon gilet en genêt. Et ben voilà pour la partie tricot. Une demi-heure. Non, franchement, ça va. Pour tout ce que j'avais à vous dire, je trouve que j'y suis allée. Alors j'espère que j'ai pas parlé trop vite du coup. Mais bon. Voilà. Je change de configuration et je vous retrouve pour la partie couture. A tout de suite. Voilà, alors j'ai tout réinstallé mon petit bazar et on se retrouve pour la partie couture. Alors en couture, j'ai 3 projets finis à vous terminer. À vous terminer. 3 projets finis à vous montrer. J'ai un en cours que j'ai pas beaucoup touché parce que ce week-end j'étais malade et que la poussière de la couture plus le bruit des machines, c'était trop pour ma petite boîte crânienne. Voilà. Et puis, il y a des trucs que j'aimerais faire, des tissus que je vais vous montrer que j'aimerais bien utiliser dans les semaines qui viennent. Du coup, ce podcast pour moi, ça a été l'occasion aussi de voir que j'envisageais pas du tout les choses de la même façon pour le tricot et pour la couture, puisque c'est-à-dire que pour le tricot, tout à l'heure j'étais capable de vous dire à peu près sur une année ce que j'allais avoir envie de me faire en disant les laines et tout ça. Et en fait pour la couture, alors je pense que c'est parce que j'en fais depuis beaucoup plus longtemps et que je suis assez rapide en couture, je n'arrive pas du tout à me projeter de cette façon. Et c'est vrai que là j'ai des envies de couture par rapport à des tissus que j'ai envie d'utiliser, par rapport à des patrons que je vois passer, que j'aime bien, et en fait quand ça match comme ça, ça va aller très très vite quoi, c'est-à-dire que j'ai le tissu, je l'adore, je vois le patron, je l'achète, je l'imprime. Et voilà, et limite si j'ai le temps, tout de suite je le découpe, je l'assemble et voilà, le processus c'est pas du tout le même. Et j'ai essayé à certains moments de faire des garde-robe capsules, des trucs comme ça, mais alors c'est... Enfin, je m'y tiens 2 semaines quoi, en fait. On dit ah bah là je fais ça. Oui, bah je l'ai fait. Et maintenant, on fait quoi? Voilà, donc j'essaie plus de faire ce genre de planification. Juste à un moment, je me pose avec les tissus que j'ai, ou les coups de cœur de tissus que j'ai envie d'acheter, les patrons que j'ai, qui me vont, ou que j'ai repérés et que j'ai envie d'acheter. Et puis je vois si ça correspond à ce que j'ai envie de faire, à ce que j'ai besoin de me faire à un moment T. Par exemple, alors je vais aller vous le chercher. Hop, il est juste là. J'étais partie il y a 2 semaines, je crois, hein, ouais, à peine 2 semaines, pour me faire dans ce joli matelas rayé et à l'intérieur gris uni, quoi, voilà. Je m'étais dit, oh, je vais me faire un sweat tout doux et je vais me faire un sweat que j'aime bien et que j'ai jamais réussi à faire dans ma taille. À cause du tissu à chaque fois, je vais me faire le toaster sweater, qui est un sweat avec un joli col cheminé et qui demande un tissu avec un peu de tombant, et voilà, comme celui-là il est assez fluide, je me disais que ça pourrait être chouette. Sauf que en fait, là je l'ai regardé mais genre il y a 10 minutes,
Et le patron est imprimé, enfin voilà, il n'y a plus qu'à couper et à faire, et c'est un patron pas long à faire. Je dis, mais Laurie, t'es en train de te faire un pull gris en tricot. Quel est l'intérêt, là, de te refaire un pull gris, un sweat gris, que en plus, tu vas mettre principalement que à la maison, parce que c'est pas tout à fait le style de vêtements que je mets au boulot. Et voilà. Et donc, il était sur le haut de la pile, et je pense qu'il vient de redescendre dans les abîmes de ce que j'ai envie de me coudre. Pour autant, j'aime beaucoup le tissu, tout ça, j'en ferai quelque chose, peut-être j'en ferai plutôt quelque chose pour Rosalie, je ne sais pas. Donc voilà, un petit peu moi comment je fonctionne en tissu, en couture. Hop, voilà, me voilà de retour, j'ai reconnecté le tout. Donc voilà, je vous disais que bah, finalement j'étais prête à découper ce tissu pour faire ce sweat, et puis bah non, je pense pas, voilà. Alors, je vais le replier et puis je vais commencer par vous montrer une petite blouse que je me suis faite mais que j'ai pas encore portée parce que j'attends qu'il fasse un petit peu meilleur, elle est assez décolletée, d'autant plus qu'il faut que je rajoute un petit bouton pour la fermer. Alors, hop, je vous la montre, j'aurais pu la mettre sur cintre même, ça aurait été un peu plus judicieux. Donc voilà, alors il s'agit de la blouse... en fait je vous en ai déjà parlé puisque c'était dans mes encours du dernier podcast, de la blouse Mido de chez Joli Lab. Je vous mettrai la petite photo et tout ça, qui est en fait la blouse qui était dans la box du mois de novembre et qu'on peut ensuite acheter séparément. Alors elle est très jolie, c'est donc une très jolie blouse cache-cœur. Alors moi il manque un petit bouton là, hop, pour la fermer. J'essaierai de faire, là il fait beau, donc peut-être après je ferai des photos de la blouse portée. J'avais fait une photo sur mon fil Instagram, je vous la mettrai là, de la blouse juste sur cintre, mais je pense que pas grand monde l'a vu, hein, vu le peu de retour que j'ai eu dessus. Je pense qu'elle est partie dans les méandres d'Instagram, voilà. Donc peut-être je la remettrai portée pour que vous puissiez bien voir le résultat. Donc c'est une blouse cache-cœur avec une petite basque sur laquelle est cousu un petit volant. En haut des épaules, vous avez un joli petit pli plat qui va donner l'aisance pour la poitrine. Et puis en haut des épaules, un autre joli petit pli plat, juste voilà, je sais pas si... juste là, et puis pareil à la fin de la manche pour terminer la manche, voilà. Donc c'est une blouse toute simple mais alors pleine de jolis détails, je trouve. J'ai vraiment été assez conquise par cette blouse. Alors le seul truc qui m'a un petit peu chiffonné, mais en fait ça s'est très bien passé, mais c'est tout à fait personnel, c'est que donc l'encolure se finit au biais. Et alors moi je suis nulle pour poser des biais, c'est vraiment voilà, un peu ma hantise, mais bon voilà, bon, je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie et que vraiment sur l'extérieur de la blouse c'est très propre. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Alors j'ai fait une petite modification sur le volant. Alors normalement le volant il est deux fois plus long puisque il se fait une longue pièce où on fait un petit tourlet mouchoir et puis ensuite on vient froncer et mettre un sandwich entre le haut et la basque. Sauf que moi c'est un peu comme le biais, hein, les ourlets mouchoirs c'est un truc que je foire très facilement et voilà, je trouve que c'est le genre de finition, soit c'est hyper bien fait et c'est super, soit moi je pars avec l'idée que de toute façon je vais le foirer et ça se passe pas très bien. Voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est que ma pièce de volant, je l'ai pliée en deux. Et puis j'ai fait mes fronces, voilà, dans cette pièce pliée en deux. Ce qui fait que j'ai pas de problématique d'ourlet. Et aussi au final ça me fait un tout petit volant très discret et je pense que je trouve ça plus joli. Juste si je la refais, et je pense que je vais la refaire dans pas très longtemps, j'élargirai un petit peu ma pièce de volant quand même pour avoir un petit peu plus de matière et que ça soit un peu plus confortable à coudre, parce que vous voyez là
Alors, où est-ce que c'est? J'ai un endroit. Voilà, par exemple ici, j'ai un endroit où on voit que j'avais un petit peu moins de... Un petit peu moins de matière, donc il est un petit peu plus court. Alors, je sais pas si je défais pour reprendre. Je vais voir un petit peu, mais j'ai peur d'abîmer mon tissu. Pour ce qui est du tissu, je pense que vous le reconnaissez. C'est la très belle viscose Grace Miel de chez Liz Taylor. Voilà, que j'aime beaucoup. Je pense que ça sera une très jolie blouse pour les beaux jours et puis pour l'automne. Bon, décidément, on a pas mal interrompu. Voilà, bon, je pense que c'est un petit peu tout ce que j'avais à vous dire sur cette blouse. Hop, voilà. Donc par contre, le tissu se froisse énormément. Donc, c'est vrai que là, je la replie comme ça, mais... Je suis pas une reine du repassage, en fait. Donc, j'espère qu'elle va quand même passer... Enfin, voilà, je pense qu'il faut bien que je l'étende à chaque fois et ça devrait aller. Alors, ensuite, le deuxième objet fini que j'ai, qui était aussi dans mes encours de la dernière fois, c'est un sac. C'est le patron, le Maxi Caba de chez Stragier. Donc, un très joli sac, voilà, avec des grandes poches. Hop, avec des grandes poches là, latérales, que j'ai cousu dans un velours qui vient de chez Driessenstoffen et qui est en fait un peu un velours stretch. Voilà, et j'ai mis des anses, je sais plus d'où elles viennent, mais elles étaient dans mon stock et voilà, c'est exactement la même couleur que les petites tiges des fleurs, donc voilà. Il est parfait, hein, franchement, il a la bonne taille. Alors justement, la prochaine fois, je raccourcirai un petit peu les anses, mais ça c'est parce que je suis petite et du coup quand je le porte à bras, il traîne par terre, comme beaucoup de sacs. Voilà, voilà. Et je ferai juste une petite modification sur le patron. Alors d'autant plus parce que j'ai mis des anses, mais déjà faites. En fait, la finition pour poser les anses, c'est juste surjeter à cru. Et puis, voilà, c'est pas très très propre. Donc je pense que pour les prochains, je mettrai une parementure histoire de tout, remettre au propre dedans. Voilà, en tout cas, c'est un patron que je vous recommande chaudement parce qu'il est gratuit déjà sur le site du magasin Stragier. Et il se fait hyper rapidement. Alors il y a deux choix de finition, une avec du biais et une surjetée. Bah oui, hein, j'ai tout surjeté moi, hein. C'est voilà. Mais franchement, ça fait hyper propre parce que en fait, vous voyez, c'est des carrés qu'on assemble. Donc on est sur quelque chose. Enfin, il n'y a pas d'arrondi à gérer avec la surjeteuse et tout ça. Donc franchement, c'est très très propre et voilà, moi ça me convient tout à fait. Un petit fil qui passe, ça me convient tout à fait comme ça. Et j'ai prévu de m'en refaire d'autres en tissu enduit, donc avec des tissus qui se tiennent un petit peu plus que celui-là, parce que là, ça fait vraiment un sac tout mou, hein, quand même. De les refaire en tissu enduit pour remplacer nos grands cabas de supermarché, voilà, qui s'abîment, et puis après on en rachète, et puis truc, machin, enfin bon, voilà. Parce qu'on a un peu tous le même problème avec les stocks de sacs réutilisables de supermarché. Donc ça, c'est sûr, je vais en refaire. Décidément, je vais encore recouper puisque maintenant mon ordinateur n'a plus de batterie. Bon, allez, j'espère que cette fois je vais tout pouvoir en faire d'un coup parce que ça commence à être un petit peu pesant. Alors, j'en ai profité pour aller récupérer le dernier objet fini que je vais vous montrer et dont j'ai fait une publication Instagram tout à l'heure. Voilà, alors c'est une jupe, voilà, c'est la jupe Tina du dernier La Maison Victor, donc pareil, je vous mettrai une petite image. Et alors moi ce patron de jupe, c'est un vrai coup de cœur. Je pense que c'est la jupe que j'attendais depuis très longtemps, sans vraiment la trouver. Je suis désolée, il y a plein de... le velours attrape beaucoup les poussières. Alors, c'est donc une jupe boutonnée sur le devant, taille haute, taille élastiquée, avec une grosse ceinture, des
poches. Voilà, des jolies poches, très pratique. Et voilà, que dire de plus ? Allez, enfin, moi, comme je disais sur Insta, là, c'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup de mal à me faire des bas en ce moment, parce que, enfin, j'ai vraiment, voilà, je passe d'une taille à l'autre au niveau des hanches et tout ça, j'ai énormément de cambrures, enfin bon. J'ai réessayé de me faire des shorts et tout ça l'été dernier. Ça a été la cata, rien ne m'allait, enfin, c'était, rien n'était saillant, voilà, donc je dis, bon... je laisse tomber, hein. Je me suis acheté des pantalons dans le commerce parce que ça sert à rien de se prendre la tête. Et du coup, ça faisait très longtemps aussi que je m'étais pas fait de jupe parce que je rencontrais un petit peu les mêmes soucis. Et là, voilà, je me suis dit, du fait de la taille élastiquée et qu'elle se porte assez taille haute, ce qui est très bien pour moi parce que j'ai la taille très marquée et très haute, et ben voilà, je me suis dit que ça pouvait être un bon compromis. Et j'étais tellement sûre de moi que j'ai même pas fait de toile, hein. Je l'ai coupé direct dans ce très beau velours vert que vous reconnaîtrez peut-être, qui est le velours de la dernière collection de chez Silhouette Six. Donc j'ai craqué sur plusieurs tissus, hein, de cette collection que vraiment je trouve magnifique. Voilà, donc je l'ai reçue et puis je l'ai coupée direct, et après elle a un petit peu traîné parce qu'en fait j'ai eu des problèmes avec les boutonnières, parce que en fait la façon dont c'est construit, donc on a des pattes de boutonnage et en fait dans ce tissu c'était très épais, donc ma machine patinait à mort sur les boutonnières, et sur celle du haut on a les épaisseurs de tissu de la patte de boutonnage plus l'épaisseur de l'élastique qui est directement intégré à ce niveau-là. Donc là, j'ai même pas essayé, hein. Je savais que ça voulait pas, donc en fait, j'ai cousu des gros boutons de pression de manteau, comme ça, qui me restaient, ou que j'ai récupéré sur quelque chose, je sais plus. Donc voilà, donc en fait, je l'ai fini il y a pas si longtemps que ça, et depuis, je l'ai déjà beaucoup, beaucoup porté. Et, ah oui, je vais vous montrer mes petites poches aussi. Voilà, donc c'est peut-être un tissu que certains reconnaîtront. C'est le joli tissu hirondelle de chez Atelier Brunette. Voilà, qui n'est plus édité depuis un petit moment déjà. Et que moi, j'adorais. Donc, je garde... J'ai des reliques de ce tissu en pas trop mauvais état. Donc, quand je peux en... Ah, décidément, il y a plein de peluches, ça m'énerve. Donc, quand je peux en placer quelques-uns de temps en temps, j'adore le faire. Et ça me fait des petits clins d'œil personnels que j'aime beaucoup. Juste une chose, alors je la trouve très courte, donc j'ai déjà dans l'idée de m'en refaire une en noir pour aller avec un petit peu toutes mes tenues, je pense que je vais la rallonger, sachant que je fais juste 1m60, hein, je suis pas non plus voilà. Et que sur moi elle est trop courte. Alors je pense aussi que c'est dû au fait que moi j'ai la taille très haute, donc je la porte assez haute quand même. Donc ça peut jouer aussi. Mais clairement, voilà, je pense que je lui rajouterai bien 5 bons centimètres à refaire. Et d'autant plus si on fait des versions un peu plus d'été, dans des tissus un petit peu fluides, où là on porte pas des gros collants avec. Franchement, n'hésitez pas à la rallonger. Après, je me dis, en jupe midi ou en jupe longue, elle peut être vraiment très très chouette aussi. C'est vraiment pour moi le pardon, un patron hyper versatile qui peut servir de base à vraiment beaucoup, beaucoup de déclinaisons pour toutes les saisons et pour tout type de tissu. Je regarde un petit peu où j'en suis dans mes trucs. Donc voilà pour ma jupe Tina. Qu'est-ce que j'ai mis ? Alors, je l'ai fait en taille 42 au niveau de la taille. J'ai fait le haut des hanches aussi en 42 et j'ai fait les hanches en 44. Voilà. Pour vous dire un petit peu, il faut que je jongle entre les trucs. Et j'en ai eu pour moins d'un mètre de tissu. Parce que j'avais commandé un mètre de ce tissu à la merterie sur un fil à Orsay. J'en ai eu pour moins d'un mètre. Hein. J'ai quand même quelques restes. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre ? J'ai marqué patron finition très propre et très bien pensé. C'est vrai que tout se goupille bien, voilà, parce que la bande de boutonnage, pour qu'elle soit jolie, on fait le coin, on coud sur l'envers, puis on retourne pour avoir des jolis coins pour que tout se place bien.
Prévoir impression à la ceinture là, dès que vous avez un tissu un petit peu épais et un élastique épais, bon voilà, mais au final c'est très confortable je trouve. Voilà, et portabilité plus. Voilà, bah je vous dis, je l'ai déjà beaucoup mise hein, depuis que je l'ai faite, donc c'est un très bon marqueur. Je bats un petit coup parce que je commence à avoir la voix qui se comme ça là. Et je vous montre mes petits encours du moment. Alors ça fait un petit moment qui est tombé. Que c'est coupé, mais j'ai pas, je vous dis, le week-end dernier, vraiment j'ai pas réussi à trouver le courage de m'y remettre. J'avais fait des stories pas du coup pas mardi là, mais celle d'avant je crois, où j'avais une frénésie de couper plein de trucs pour ma fille. Voilà. Ça m'avait pris comme une envie de pipi quoi. Voilà, j'avais coupé plein de trucs. Alors, j'ai notamment couper ce petit sweat, voilà, tac, donc là j'ai les petits, j'ai des finitions à finir là, sur l'ourlet. Alors, que je prenne mon Autobre, tout vient de ce Autobre design qui est l'hiver 2014, voilà, que j'ai dû récupérer je ne sais où, voilà, c'est le bazar partout. Je suis vraiment pas très bien organisée là-dessus. Alors, c'est le sweat Easer. Si ça veut bien faire la mise au point. Voilà, le petit sweat Easer. Et je vous montre tout de suite, j'ai aussi découpé cette petite robe Wood Mouse. Voilà. Donc, ce petit sweat Easer, il a la particularité d'être asymétrique en bas. Et un peu loose. Enfin, franchement, je pense qu'elle le mettra pas tout de suite. Elle met du 3 ans, certes, mais là, ça me paraît quand même très grand. Je l'ai fait dans un jersey matelassé, donc bleu marine à l'envers et avec des petits pois sur fond rose à l'intérieur, qui vient de chez Tissu Ferrari. Le Borco jaune vient de chez Driesenshofen, et je pense que celui-là, à rigueur, là, aussi, mais... Mais ça fait très très longtemps que je l'ai, donc il est plus sur le site en ce moment, ça c'est sûr. J'ai des trucs pris dedans là, ça m'énerve. Donc voilà, ce petit sweat tout mimi. Tac, j'ai plus que l'ourlet à faire. Ensuite, la robe elle est pas du tout encore assemblée, mais je vous montre quand même le tissu. Donc c'est un jersey de chez... que j'ai acheté à Blois là dans le magasin de tissus. Et c'est un jersey Poppies. Je suis pas sûre que vous ayez les bonnes... Voilà, avec des petits points roses comme ça, c'est trop mignon. Je me suis dit que... Enfin, voilà, l'idée c'était d'avoir un rappel... Des rappels de couleurs, en fait. Entre, donc la robe, elle est encore à l'état de morceau. Mais je pense que je vais arriver à faire ça, là, dans les jours qui viennent. Et puis avec, je lui fais aussi... Alors, que j'aille pas me piquer. Un petit legging. Hop, voilà, avec des petits bracelets aux couleurs. Hop, là, des pattes. Et c'est le legging câlin de chez Superbison, qui est un patron gratuit qui va du 2 ans au 14 ans. Voilà, donc c'est super patron. La seule modification que je fais sur ce patron, moi, c'est que normalement il y a une ceinture à mettre, une bande de ceinture, et on glisse un élastique dedans. Et moi, ce que je fais en fait, c'est pas très très propre, mais... un peu foiré sur ce coup là, mais je couds directement mon élastique comme ça, et ensuite hop, je le replie. Et là je l'ai pas encore fait, mais du coup sur l'endroit je viens faire une couture à l'aiguille double en tendant, voilà, et ça se passe très très bien. Du coup le seul truc que je fais, c'est que je rallonge un petit peu le patron en hauteur au niveau de la taille pour compenser le fait que je ne mette pas de ceinture. Donc voilà, bon, en même temps c'est pas trop pressé parce que là j'ai un peu fait les soldes pour ma fille, donc elle a de quoi s'habiller pour les mois qui viennent, hein, y a pas de souci, mais voilà, je pense que ça va être un petit ensemble. Je vais arriver à faire un truc comme ça, voilà. Un petit ensemble vraiment sympa avec la petite robe et tout ça. Donc
donc voilà pour ce qui est en ce moment sur pas loin de mes machines, mais voilà, faut que j'arrive à prendre le dessus sur la fatigue en ce moment. Alors ensuite, hop, je reviens parce que c'était tombé par terre. Je vous montre ce que j'ai aussi envie de lui faire. J'ai acheté le dernier magazine Poppy. Alors, c'est la première fois que j'ai acheté ce magazine pour enfants. Je trouvais qu'il y avait des choses assez sympas. Je vais vous montrer le... Qu'il y avait des choses assez chouettes. Hop, il y a des petits... Alors, attendez, je suis un peu perdue dans mon... Voilà. Des petits gilets, des trucs... Et alors, surtout, moi, j'ai vu ce... Hop, je vais y arriver. Ce petit gilet, vous le voyez là, au bout? Voilà, je vais lui faire ce petit gilet. Je vais essayer de vous trouver une image un peu mieux parce que... Ou alors, je vous l'insérerai. Ça sera encore plus simple. Vraiment, je le trouve... Là, on le voit un petit peu porté. J'ai du mal à jauger. À jauger, je suis un peu perdue dans mes angles. Attends, voilà. Tac, petite veste, comme ça. Et je me disais que pour le printemps, ça serait chouette de lui faire. Dans ce très très beau tissu, que vous reconnaîtrez peut-être, qui est à l'envers. Voilà. De la dernière collection, Silhouette 6. Voilà, j'avais craqué sur ce petit jersey nuage que je trouve absolument magnifique. Et je me dis que là, pour une petite veste de printemps dedans, ça serait vraiment très très beau. Ma seule crainte, c'est de ne pas en avoir assez. Donc bon, faut que je regarde ça, voilà, mais je trouve ça vraiment très beau. Et ce qui m'a plu aussi dans ce magazine Poppies, c'est que en fait, les planches de patron sont quand même assez aérées. Si on compare à des planches de Octobre, par exemple. Voilà. Ah, je suis perdue, Samina. Voilà. Et c'est vrai que quand j'ai fait ma story où j'ai montré que je découpais plein de trucs Octobre, on m'a répondu, oh là là, t'as du courage parce que Octobre, vraiment, on s'arrache les yeux dessus et tout ça. Voilà. Et donc je trouve que, voilà, pour le coup, c'est quand même un petit peu plus aéré. Alors, c'est quand même... un petit peu embêtant à faire, hein, faut dire ce qu'il est, mais il y a beaucoup moins de modèles en fait dedans. Bon, après il est deux fois moins cher, voilà. On peut pas tout avoir. Donc ça, j'ai très très envie de le faire. Et puis j'ai acheté cette très belle viscose de la dernière collection Silhouette 6. Je vous la montre, elle est magnifique. Vraiment, je suis admirative de ce tissu là, avec c'est vraiment magnifique. J'ai de quoi m'en faire une robe et je souhaite m'en faire une robe, mais je sèche. Voilà, je ne sais pas du tout quoi faire dedans. J'étais partie pour me faire la robe mido, comme la petite blouse que je vous ai montrée tout à l'heure. Alors au début j'étais partie pour faire la version A avec une coulisse, je vous mettrai une petite photo, et après à réflexion je me suis dit bah ouais, mais la coulisse elle va complètement casser le motif en fait, ça va pas être super, ça va tout ramasser, et puis c'est un motif qui se déploie en hauteur quand même pas mal, donc voilà, j'avais peur que ça casse le truc. Et après je me suis dit bah fais-la avec le petit volant dans la version que t'as faite. Pourquoi pas, mais j'exclus pas d'avoir une illumination encore pour me dire mais oui, c'est ce patron qu'il faut faire dans ce tissu. Voilà, mais pour l'instant en fait j'ai reçu ce tissu au mois de décembre quand c'est sorti et je n'ai toujours pas eu l'illumination pour ce tissu. Voilà. Je ne sais pas. Si vous avez des idées, je suis tout à fait preneuse parce que je bloque un peu. Alors à un moment je me suis dit pourquoi pas la Magnolia de Direndo, mais j'ai eu peur. Alors déjà je l'ai jamais faite, ça veut dire qu'il faut que je fasse des toiles avant parce qu'apparemment c'est un peu la galère à ajuster, et puis j'avais peur qu'elle fasse du coup trop habillée avec le tissu,
Ensuite, je me suis dit quoi? La robe renée de République du Chiffon que j'ai. Mais le truc, c'est que sur la robe renée, j'aime pas trop la forme du dos avec les fronces qui tombent sur les fesses. Hein, voilà. Mes fesses n'ont pas besoin de fronces, en fait. Voilà. À quoi j'ai pensé d'autre? Après, j'ai pensé à des choses toutes simples comme la désinvolte de... on dirait des vrais la jolie girafe, mais du coup je trouvais ça un petit peu trop simple. Enfin bon, bref, je ne sais pas. Je sais que je veux faire une robe dans ce tissu avant la fin de l'hiver, mais j'arrive pas à me projeter dans un modèle avec ce tissu, en fait. Voilà. Bon, malgré tout, là, ce qui me reste quand même beaucoup en tête, c'est quand même la robe Mido. Bon, mais je pense qu'avant de la faire, je vais voir comment je porte la blouse. Pour voir comment exactement le décolleté se comporte dans le mouvement et tout ça. Et si j'arrive bien à la porter au quotidien. Parce que, en fait, si je suis tout le temps en train de remettre le truc, machin, ça sert à rien que je me fasse une jolie robe dans ce patron-là. Voilà. Voilà, voilà. Pour ce que j'ai envie de faire. Donc voilà, c'est à fond sur la nouvelle collection Silhouette 6. J'ai aussi l'autre tissu. J'ai acheté les deux viscoses, en fait. Je vous la montre quand même. Hop. Voilà, je vous le montre. J'ai aussi acheté celle-là, mais je vous avoue que j'ai été un petit peu déçue, en fait. Elle est très belle, mais je la trouve un petit peu terne. Et... Alors c'est assez paradoxal ce que je vais dire, mais je trouve les motifs trop gros. Alors que bon, là on est sur quand même des motifs beaucoup plus gros. Mais le fait que ce soit un peu moucheté, enfin, c'est des motifs plus fins en fait. Voilà, c'est juste des motifs plus fins. Et là, entre la couleur et le motif, bah du coup, je trouve un petit peu terne et je sais pas quoi faire. Alors est-ce que... Au début, j'avais pensé à une chemise, mais alors je pense que ça va faire très années 70, hein, quand même. Un peu trop pour moi. Peut-être une blouse, mais pareil, avec ces motifs, je trouve ça un peu compliqué. Sinon, je me disais une jupe. Et bah pourquoi pas, du coup, une jupe Tina en viscose pour le printemps. Je me dis que ça peut être pas mal. Voilà, en fait, j'aurais peut-être dû le prendre en gabardine, plutôt celui-là qu'en viscose. Mais bon, bah tant pis, hein. C'est comme ça, c'est fait. Et je vais le garder dans un coin et puis je vais bien lui trouver un patron copain et puis ça va le faire, ça va matcher à un moment donné. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout, c'était déjà pas mal, non? Je pense que j'ai beaucoup parlé, que j'ai parlé très très vite, et puis le fait d'avoir été coupée plusieurs fois à cause de petits soucis techniques, ça m'a un peu perturbée. Voilà. Et ben je vous laisse là-dessus, et puis n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, parce que j'aime beaucoup beaucoup ça. J'essaie de prendre le temps de répondre. Je sais qu'il y en a sur la première vidéo auxquelles j'ai pas répondu, mais je vais réparer mon erreur de ce pas. Et puis, et ben, je vous dis à très bientôt, soit sur mon fil Instagram, soit en vidéo. J'espère revenir dans pas trop trop longtemps. Voilà, et ben, je vous souhaite une bonne fin de journée. Voilà. Salut !